Brazzaville accueille ce 11 juillet le sommet de haut niveau sur le financement du VIH-Sida en Afrique. Il sera question de sensibiliser les pays africains de participer au financement du Sida, mais de la maladie en général, a souligné Roger Nkododang, président du Parlement panafricain à son arrivée dans la capitale congolaise. Lors de ces assises, les parlementaires africains vont appeler à une grande mobilisation afin que les acteurs du continent s'impliquent davantage dans la mobilisation des ressources permettant d'endiguer la pandémie. Notons que le rapport évoquant les objectifs de la stratégie d'accélération de l'ONU-SIDA souligne que plus de 15 millions de nouvelles infections à VIH peuvent être évitées et plus de 5 millions de vies sauvées, ce qui permettra d'économiser 4,7 milliards de dollars sur l'ensemble des ressources financières consacrées au traitement en Afrique subsaharienne entre 2017 et 2030. Signalons que ce sommet de haut niveau prendra fin demain 12 juillet.